chenille qui redémarre. Nous partons en famille à la petite crique. C'est notre dernier jour, demain on part. Je suis trop dégoûtée. Moi j'ai mis mon pantalon Coachella, comme si j'y allais. Sauf que pas du tout. La madré a envie de se fight. Nous étions à la Bastide d'Antoine. Là je peux le dire vu que quand vous verrez ce vlog, eh ben je serai partie. Et ma make-up is not here. Tout à l'heure quand je me suis levée, il faisait pas beau du tout. Il y avait des très très gros nuages, genre limite de pluie. Je me suis dit putain il va pas faire beau. Et puis ici, regardez pour notre dernier jour. De la petite crique et Cheyenne mange. Là je pense qu'on va aller à Saint-Tropez. Mon vlog est en train de se mettre en ligne. Mort de rire le titre de ce vlog. J'espère que ça marche parce que là ça commence un peu à me saouler. Ça fait 70 minutes qu'il a marqué 70 minutes. Donc au moment où il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Le wifi ici est horrible. Mais genre horrible. Voilà, je me suis changée, j'ai mis mes petites chaussures. Sachez-le, je crève de faim. Comme d'habitude. J'ai très, mais pendant les vacances, j'ai toujours très faim. Donc j'espère qu'on va bientôt manger, sinon je compte hurler tout le long du voyage. Cette piscine va me manquer. Ce canapé aussi va me manquer. Je crois que le vlog ne s'est pas mis en ligne. Et oui, le vlog s'est pas mis en ligne et il est 17h07. Parce qu'ici, la connexion se coupe quand on met une vidéo. Donc voilà, le vlog, je sais pas à quelle heure il va sortir. Je suis vraiment désolée, je viens de rentrer, je viens de courir. Désolée, désolée encore. Il y a vraiment une connexion de merde. Ma chienne joue avec son jouet, super. C'est trop bizarre parce qu'en fait, ça me l'avait pas fait les autres jours. Et là, en fait, quand mon ordinateur se met en veille, je perds la connexion internet. Et donc, bah, le téléchargement se met en pause. Donc là, j'ai essayé de le remettre, mais je sais pas, ça veut graver tout. En fait, le wifi ici est très très mauvais. Mais genre, très 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 mauvais. Allez, petite exposition au soleil. Bref, on a réservé pour un petit restaurant ce soir. À quelle heure, maman? 20h30. 20h30, voilà. C'est le Caprice des Deux à Saint-Tropez. C'est rigolo comme nom. Cheyenne a pissé dans un magasin. J'aimerais ton ressenti. Oh, c'était la honte. C'était la honte. En plus. Elle fait, oh, c'est bizarre, elle s'assoit. Puis après, elle me dit, ah, mais non, elle pisse. Il y avait une grande mare jaune et tout. Heureusement, c'était pas de la moquette, c'était une espèce de béton ciré, tu sais. Voilà tout, j'étais honteuse. J'ai fait une mare, genre 3 litres de pisse. T'as vraiment aucune tenue, hein. On te déteste. La dernière fois que je vois cette piscine le soir, j'ai envie de chialer. Genre, je vous jure, j'ai envie de chialer. Ce vlog est terminé, je vous avoue que là je sais même pas trop ce que j'ai filmé aujourd'hui. C'est ultra relou parce que je vois beaucoup de commentaires qui disent ouais
Tu prends les expressions de Lola, tu prends les expressions de Shera, tu prends les expressions de Jerem, etc. Alors faut savoir que les expressions que j'ai, en fait c'est des délires que j'ai eu avec Lola. Lola qui a inventé ces expressions, c'est pas moi qui ai inventé ces expressions, c'est Lola et moi dans nos délires en fait, on les a créés entre guillemets ensemble. Les gens pensent que c'est Lola qui déteint sur moi ou moi qui déteint sur Lola, et bon je vous avoue que toutes les deux on en a un peu marre que les gens disent tu parles exactement comme Lola, tu parles exactement comme Emma. Personnellement je parle pour Lola, mais je vous avoue que je ne sais pas trop son ressenti par rapport à ça, donc je ne préfère pas m'avancer. Les gens adorent reprendre nos expressions, nous ça nous fait rire aussi, donc il n'y a pas de malaise. I see bitches. Je regarde mon téléphone et je fais mon vlog comme si de rien n'était. Bref, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. La bisette.